fanatiquement, comment nous, m'espérer que nous tout en forme, retourner sur channel encore avec une autre vidéo, même thème comment on capable solo bien la guitare. OK, mieux si nous aimons mes vidéos ça et la façon nous capable faire me sentir que nous aimons mes vidéos, c'est avec un like. Nous bam un like, nous quittons un petit commentaire, nous partager avec yon l'autre ami. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, c'est celle ça vous avez pour faire. Après ça, toute vidéo vous regardez sur la chaîne là, c'est gratis, chéri. OK? Pour nous pas prendre plus de temps, je dis à vous comment vous capable de commencer à faire solo sous gamme pentatonique mineur. Non, sous gamme de la mineur. OK, vous devez connaître la gamme mineur ou bien. OK, je vais vous montrer comment vous capable de faire gamme pentatonique mineur. Avant, je vais vous faire gamme mineur. OK. OK, ça c'est gamme de la mineur. Je vais faire la position ça là. OK, je vais pas faire vide. OK. Je vais vous montrer là. OK, bam fè la tête guitare pour débutant mieux avant après ça m'a venir faire là. Là la mineur c'est OK. N'a commencé avec 5e corde là avant. Avant m'a commencé avec 5e corde là qui c'est la si do ré mi fa. La gamme de la mineur c'est la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Toute note qui est dans la gamme de la mineur c'est note naturelle, il n'y a pas d'altération. OK? Parce que nous connaissons et la mineur c'est relatif de do majeur. Toute note qui est dans la gamme de do est naturelle, mais c'est pour raison ça, la gamme de la mineur il n'y a pas d'altération. Je fais la, open, 5e code. Deuxième degré, je vais peser avec Dread D. Deuxième casier, troisième degré, je vais peser Dread 3. Troisième casier, 5e corde. Et puis, quatrième degré, je vais laguer le vide. Cinquième degré, dans deuxième casier, Dread D. Sixième degré, à Dread 3. Et quatrième corde, troisième casier. Septième degré, à vide, qui c'est sol. Et puis, terminé là. OK. Même si on a joué dans la gamme de la et Do majeur. Nous avons une cycle harmonique, 5 harmoniques par exemple. Accord qui marche avec tout accord nous capable faire dans la gamme. Par exemple, nous avons joué. Là, c'est la mineur. Nous pouvons peser la mineur déjà. Nous mettons droite 1 là. Et des premiers casiers. Droite 1, deuxième corde. Et puis nous mettons droite 2 là dans 4e casier. 4e, deuxième casier, 4e corde. Droite 3 là dans 2e casier, 3e corde. Et puis nous avons le 5e code là. La mineur. Deuxième degré, c'est un accord semi-diminué. OK? C'est un accord semi-diminué. Mais nous avons dit si mineur 7 bémol 5. OK, qui c'est 7e degré de Do majeur. Et bien nous jouons dans 2e degré de la mineur là. OK, ou bien nous pouvons peser comme ça tout, si nous ne pouvons pas peser comme ça. Pour faire facile, nous pouvons peser comme ça. Nous mettons droite 1 là, par tous les 5 cordes. Nous venons mettre droite 2 là, non. 3e casier, 4e code, droite 3 là, non. 2e casier, 3e. 2e code, 3e casier. OK. 3e degré là, son accord majeur. 3e degré, son accord majeur qui c'est Do majeur. C'est relatif de la mineur. OK, on dit la si do. OK, 4e degré qui sont à commune, c'est ré mineur. OK, 5e degré qui c'est mi en commune. OK, et 6e degré qui sont à cor majeur qui c'est fa majeur. 7e degré qui sont accord majeur, tout qui c'est sol. Sol 7e. Et puis nous terminons là.
lundi la, si, do, ré mineur, ré mineur, mi mineur, fa majeur, ré sol, et puis terminer dans la. Et nous dans la gamme de la mineur, les nappes jouent pour nous jouer bien, pour nous connaître, nous devons connaître tout détail ça. Par exemple, nous devons connaître, quand elle a parlé de harmonisation, c'est accord, ok? Ok, même j'en ai gamme de gamme majeure, nous jouons accord mineur, nous jouons accord majeur, mais seulement c'est degré qui change là. Là, maintenant la mineur, fondamental, il va, c'est sixième degré de. Le do qui c'est relatif, mais là nous dans la mineur, c'est fondamental de là. Là, si, soit comme une 7 bémol 5 ou bien soit accord semi diminué. Et do, ré mineur, ok, mi mineur, fa majeur, sol 7ème et puis la mineur. Ou bien si je dis m'a changé à quoi. OK, si m'ta dit m'a pesé tout à quoi en 7, m'ta dit là m'gen la mineur 7. N'a bien OK. C'est midi m'y a toujours été même genre. C'est maintenant m'a bien do majeur 7. Ouais, do majeur 7 là. C'est maintenant m'a pesé deux cordes et m'a plagué ça. Et m'a pesé ré mineur 7 vide là. Je vais peser deux cordes là pour réminer cette là avec deux petits doigts là. Pour les gens qui ont un niveau avancé, je vais mettre deux doigts là dans la deuxième case, troisième corde. Je vais sonner comme ça. Réminer, ok. Et puis, mi mineur 7, fa majeur 7. Fama j'ai 7 là, mettez doit être 1 là non, pour 6ème case, 6ème code, premier casier, doit être 2 là non, 2ème code, premier casier, et puis doit être 3 là non, 4ème code, 2ème casier, doit être 4 là non, 3ème code, 2ème casier, cap sonne comme ça. Hein? Et puis après ça, on va le prendre sol 7ème, non, nous connaissons. Ben, capé, c'est comme ça tout. Couper tous les 6 cordes là avec doigt 1 là et bien vous mettez doigt 2 là dans 3ème corde et 4ème casier. Et terminant là. On dit là, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Ok. Là on va commencer, là on va entrer dans le travail. Ok, là on est à quoi yo. Nous avons fait gamme, non? Ouais? L'un fait gamme, non? Là, nous connaissons encore. Ça, nous allons faire là. Par contre, on a couru dans ma guitare avec. Ça nous parle besoin qu'on est connu là. Là nous parle entrer dans gamme pentatonique là. Là nous avons la gamme mineur. Ok, gamme mineur. Ça nous parle faire là dedans là. Depuis notre gamme mineur là, ça pour plus facile, n'a retiré, n'a éliminé deuxième degré à cinquième degré. Nous avons la si do ré mi fa sol la. La si do ré mi fa sol la. Ok, nous allons éliminer deuxième degré à qui c'est si avec cinquième degré à qui c'est. Nous dit la si do ré mi fa, nous allons éliminer fa. Ok, nous avons gagné. Nous avons été avec la do. Ok, nous avons été la do ré mi sol. La do ré mi sol. Ok, la do ré mi sol. Et bien terminant là. Ok, j'aime bien. Eh bien, toute mélodie nous va le faire. Par exemple, si nous avons solo dans la gamme pentatonique de la mineur,
Nous allons nous montrer comment nous allons faire dans le cinquième casier pour nous faire là. Nous allons faire. Ça, vous allez faire, vous allez faire un premier octave, vous allez faire vite, vous allez faire un deuxième octave. Si nous commençons là, la, do, ré, mi, sol, terminons là. Comment ça en accord? La, do, ré, mi, sol. Et nous terminons là. Hein? Comment nous sommes capables de faire le 5e gazier. Là, nous allons faire le 5e gazier à 8e gazier. Ok, là. Comment nous allons dominer? Nous allons faire le 5e gazier à 8e gazier. Doit 1. Ok, nous allons faire doit 1 avec doit 4. Doit 1 cap dans 5e gazier, doit 4 cap dans 8e gazier. Et dès que ça, il y a une note, nous allons prendre la note pour nous dire. Et bien, nous allons dire 1, 4, pour doit 1, là nous dans 5e casier n'a dit 1. Pour doit 4 là nous dans 8e casier n'a dit 4. OK? Eh bien pour nous faire gamme là, nous va utiliser doit 1, doit 3, doit 4. Doit D nous va utiliser la gamme ben d'atonne. OK? Là va utiliser doit 1, doit 1, doit 3, doit 4. Nous va utiliser doit D. OK? Les m'a utilisé 2 3 m'a dit 3, les m'a utilisé 4 là m'a dit 4, les m'a utilisé 1 m'a dit 1. Est-ce que là même? OK. 1 4 1 3 1 OK. 1 4 1 3 1 3 deux notes seulement utiliser 4 là. Doit 4 là. Après ça c'est doit 1 doit 3. Ouais? C'est 4 1 3 1 3 1 3 1. Même bagarre pour descendre. 4 1 3 1 3 1 4 1. OK, quand on a l'envoi avec qui note nous utiliser c'est la do ré mi. OK, la do ré mi sol la do ré mi sol la. C'est la do ré mi sol la do ré mi sol la. C'est la la do ré mi sol la do ré mi sol la. OK, c'est 5 notes ça là. Nous va l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va le banou non, la do ré mi sol la do ré mi sol la. L'en fin fait gamme, l'en fin pratique. Par exemple, nous gardons des maps solo. Belle gamme pentatonique mini à vraiment belle. OK. Là très lent. La do ré mi sol la do ré mi sol la. Ouais, devin pratiquer et j'ai ça en pile. Li pas difficile, on exemple devin kembe solo dans liste. Devin kembe son pentatonique là dans l'esprit. Penta qui veut dire sec et puis tonique là qui veut dire note. OK, c'est ça pentatonique en fait. OK, on va le mettre yon gen un petit instrumental sous pédale là, on va le mettre. On va nous donner comment nous capable commencer avec Jesse solo. OK, OK. La do ré mi, on va utiliser 4 notes dans gamme là. M'a fait la do ré mi, on va utiliser dans 3 parties.
La do re mi, la do re mi, la do re mi. Attendez. La do re mi, la do re mi, la do re mi. Ma fait premier groupe la do re mi, ma fait l'en grave. Deuxième groupe la do re mi, ma fait le médium. Troisième groupe la do re mi, ma fait l'aigu. OK? Attendez bien. Premier groupe là. Premier groupe là, me fait c'est dans 6e corde, 5e corde. Deuxième groupe là, me fait c'est dans 4e corde, 3e corde. OK. Ouais, trois groupes notes ça, trois groupes quatre notes ça. M'a fait premier groupe là dans 6e corde à 5e corde. Deuxième groupe là, m'a fait dans 4e corde à 3e corde. Troisième groupe là, m'a fait dans deuxième corde à premier corde. Nous allons voir, m'allons montrer un exemple comment l'a sonné. Par exemple, un absolo, nous cap faire n'importe phrase, nous cap improviser, nous cap solo et puis nous entrer là-dedans pendant nous gon progression cap sonné. Attendez bien. Hein? Ouais, c'est ça nous va le faire. On va montrer nous pendant mettre track là comment nous va le faire sur lui. On va faire très là pour nous hein. La do re mi, la do re mi. Ouais, c'est la do re mi, la do re mi. Qui doit nous va l'utiliser, pas utiliser technique qu'on doit connaître. Doit nous va l'utiliser c'est doit 1, doit 3, doit 4, pas utiliser doit 2. Donc là des toutes techniques ça nous doit connaître. Doit 1, doit 3, doit 4, m'a pas utilisé doit D. Là dans 6e corde. Il fait. OK, 5e casier, 4e casier, 5e casier, 7e casier. On va attaquer 4e corde là. 7e casier, 10e casier, 7e casier, 9e casier. On va attaquer l'autre groupe là. Ouais. 10e casier. Hein? 10e casier, 13e casier, 10e casier, 12e casier. OK, c'est doit 1, doit 4, doit 3. Ouais. Regardez bien, on dit c'est 5e casier, 8e casier, 5e casier, 7e casier, deuxième groupe là. 7e casier doit 1, 10e casier doit 4. Regardez. 7e casier doit 1, 10e casier doit 4, 7e casier doit 1, 9e casier doit 3, 3e code. Là, on va commencer encore. 10e casier doit 1, 2e code. 13e casier, 2e code, doit 4. 10e casier doit 1, 1er code. Doit 3, 12e casier, et puis 1er code. Là, c'est. Par exemple, nous allons le pratiquer, juste nous faire. Ah. Nous allons partir à pratiquer. Pour faire descendant. Et bien, dis c'est la do re mi, la do re mi, la do re mi. C'est la do re mi, la do re mi, la do re mi. A même les nous faire là. Nous faisons premier groupe, c'est même notre. La do re mi, la do re mi. Et bien, là, je viens là dans 6e code, 5e casier. Je viens do dans 8e casier. Doit 4 et 6e code, je viens de ré, 5e casier, doit 1, 4e code. Je viens de mi là, doit 3, 7e casier. La do re mi, mais je viens là, non? 7e casier, 7e casier, 4e code, doit 1. La do, je viens de do là, non? Je viens de do là, non, non. 10e casier, 4e code, doit 4. La do, je viens de ré, 7e casier. Troisième code doit être 1.
Li jwenn mi la nan 9e kaze dwet 3. Tande? 9e kaze dwet 3 n'a pompe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9e kaze dwet 3 3e kòd. Mais la mignon la tou nan 10e kaze 2e kòd dwet 1. La do mi jwenn do la nan 13e kaze 2e kòd dwet 4. Li jwenn re la nan 10e kaze dwet 1 premier kòd. Li jwenn mi la nan 12e kaze dwet 3. Ok, premier kòd. Merci. Ok, al fè geste sa, m'ap kontinye vin avec vidéo. M'ap montre nou comment nous ka développer ou len fin fè, ou exemple len fin fè geste sa. Pardon, c'est on va mettre petit choc là. On va faire petit marché sous lui. Attendez bien. Nouvelle. Ah. On va tes phrases là. C'est nous commencer dans la fondamentale là. C'est la thème fondamentale encore. Ça. Ok, bon, dis-nous un bagage. Nous, ça me t'a fait là. Un exemple. Progression mais comment lier c'est fondamental. Allez, fondamental, 6e degré, 3e degré, 7e degré, nous c'est la, fa, brando, brando. Si pour une progression ça nous va dans la gamme, nous va dire la, si, do, ré, mi. La, si, do, ré, mi, fa. Fa qui c'est 6e degré. Sol qui c'est 7e degré. Ok, la, si, do. Do qui c'est 3e degré. Ok? 6e degré. Allez bien. Fondamental. 6e degré. 3e degré. 7e degré. Eh bien, on a espéré l'en point fondamental là. On va commencer le geste là, non, fondamental là. Qui c'est là? Ok? Ouais, tout en a fait, tout en a fait trois parties, première partie, deuxième partie, troisième partie. À quoi on va marcher? Non, ouais? Ok, je vais remettre là encore. Je vais montrer nous comment la passer. Je vais remettre là encore, attendez bien. Je vais quitter la passer. Troisième degré, septième. Oui, fondamental. Ouais. Fondamental. Qui t'est en passé? T'allez bien? Bien amis, vous avez un solo, vous avez improvisé, par exemple, progression, l'esprit nous reconnecter avec. Ok? Nous reconnaître côté nous devons reposer. Par exemple, un cap solo là, mais vous avez improvisé là, vous avez solo. Par exemple, l'on va le prendre, par exemple, 6e degré, 3e degré, 7e, parce que nous devons mourir dans fondamental là. Vous avez tout à quoi marcher, vous avez une mélodie. Ouais.
sens nous avons mené nous dans le fondamental. Vous voyez ça? Ça veut dire ça aussi, si, je dis ça en espagnol, cadencia. Vous allez chercher définition en créole pour nous capoter de nous, c'est cadencia. Par exemple, quand vous devez venir reposer, quand par exemple, chaque accord, chaque mélodie vous fait, vous avez bien quand vous devez venir reposer. Vous devez venir reposer sur. Quand une mélodie vous fait, il demande de venir reposer sur. Quand vous faites tout cas reposer sur un autre accord dans la progression. Par exemple, ça, il demande. Pour nous couper descendre, lui demander pour venir reposer sous fondamental. OK. Ma fond dernier passe sur exercice là encore. Bon Dieu béni nous amis mieux, c'était tout ça me dévote pour nous abonner. N'a pas oublié like vidéo, partager la avec nos amis, si pourquoi abonner pour capable participer dans toute bon janvier, tout bon janvier vidéo ça on a quitté sur channel là cap bon pour, OK. Bon Dieu bénis nous, on a pour une prochaine vidéo. Bye bye.